Dans la nuit du 14 au 15, il avait disparu. Dans le quartier du port, nul ne s'en était aperçu. Certains points sont tombés sur sa disparition, n'est pas clair. Une seule façon d'en savoir plus, c'est élucider ses mystères. Avec esprit de méthode, 501, mon unique code pour poursuivre ma tâche dans un destin déterminé. Groupé méthodiquement les indices pour vous démontrer la responsabilité des gens de ce quartier, ne pouvant accepter la présence d'un étranger. En l'occurrence, ce clochard, cet homme loin de tout soupçon, disparu de façon bizarre sans aucune explication. Je pense avoir mon idée, mais elle n'est pas fondée car il faut des faits, des preuves écrites, orales pour élucider ce mystère. Les seules personnes susceptibles de m'aider éventuellement étaient ces gens résidant à proximité du banc. Ce banc sur lequel ils se rendaient chaque soir. S'il vous plaît, je recherche ce clochard. Non, jamais vu, il me répondit sans avoir pris le temps d'examiner la photographie. Impossible monsieur, vous n'habitez même pas à 100 pas des lieux. Vous aussi vous n'allez pas me faire croire ça. Vous êtes l'énième personne à qui je montre cette photo. Et comme les autres, vous répondez les mêmes mots. Vous vous rendez complice de cette affaire. Ok, mais ça ne m'empêchera pas d'élucider ce mystère. Au contraire, vous confirmez mes soupçons et vous ne m'orienterez pas vers une autre direction. La piste que je suis est celle que j'ai choisie. Je vous le dis en face, prenez-le comme une sorte de défi. Car je vais pouvoir démontrer plus clair qu'au tableau. Moi, l'hypothèse émise au début de cette histoire, laquelle vous désirez savoir. Aucune sympathie, votre nom est sur mon répertoire. Je répète toute hypocrisie, retournez dans vos affaires pour qu'à mon tour je puisse continuer à élucider ce mystère. Élucider ce mystère, élucider ce mystère. Chemin du retour pour rentrer chez moi. La rue était obscure, le noir complet, je n'aime pas trop ça. Seul sur le trottoir, du moins je le croyais. Jusqu'à l'apparition soudaine d'une silhouette qui se rapprochait. Surpris je le fus lorsque je m'aperçus que c'était celle d'un homme qui ne m'était pas inconnu. Abrégeons le suspense si vous l'avez deviné. Ne perdons pas de temps à dévoiler son identité. Il était l'homme que je cherchais depuis près d'une semaine. Mettons la chance de côté, parlons plutôt de veine. Surtout que nous allions connaître toute la vérité concernant sa disparition, mais laissons-le s'exprimer. Les gens comme moi sont pas à leur place ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Mesdames et messieurs, je me tourne vers vous. Imaginez que la personne chassée, ce soit vous. N'auriez-vous pas le même dégoût, la même réaction? Même si cette histoire de bout en bout n'était que pure fiction. Car je ne l'ai pas vécu, mais je suis persuadé plus que jamais que telle chose pourrait très bien arriver. Si il n'est pas trop tard, rien n'empêche d'agir. Car mieux vaut tard que jamais, c'est à vous d'y réfléchir. Sony MC pour vous servir.